le sur Crevaison, et ce, donc dans les trois premiers tours. Un tour, donc, pour réparer seulement dans les trois premiers tours. La présidente a pris place sur le podium. Je pense que je vais également rejoindre donc ce podium avant de libérer là les concurrents. La présidente du comité de Kenequen, comité de la déjà démarré au par l'assurance. Chacune, je vous laisse libérer sous peu. Thank you.
applaudissements pour ce superbe coureur qui vient de remporter sa deuxième victoire sur deux courses de la saison. Ça démarre fort, Guenel. Ouais, ça commence très bien, parfait. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette attaque de Julien Henriot qui a été malchanceux par la suite, car c'est vrai qu'il semblait très très fort également, Julien Henriot. Alors derrière, bien sûr, vous avez su mener la chasse, vous êtes revenu sur ce coureur assez rapidement, car c'est vrai qu'il était dangereux là quand même. Il partait très tôt, mais il était dangereux. Ouais, il nous a fait mal aux jambes derrière. C'était dur pour venir le chercher, c'était pas évident. Alors Guenel s'est fait une santé ensuite, même s'il a eu mal pour revenir avec ses camarades. Et là, il est ressorti à quelques kilomètres de l'arrivée. À ce moment-là, tu pensais que tu avais fait le plus dur, tu pensais que tu pouvais aller jusqu'au bout. Bah, je pense que j'ai attaqué au bon moment parce que je pense que les autres étaient un peu fatigués, enfin, moi aussi d'ailleurs, mais bon, j'ai su gérer quoi. Voilà, ça fait plaisir comme cette victoire. Ah ouais, c'est très bien. Tu l'as dit à qui là? À mes parents. Voilà, elles sont en face. Je pense que, en tout cas, les parents ont la chance là, d'avoir un piston en tout cas qui brille, c'est vrai, si on sera en vélo. Espérons que ça va continuer, Guenel. En tout cas, c'est un beau parcours qui s'annonce, beau parcours pour. Donc 2005. Voilà, on va laisser aussi Agnès monter sur le podium. On va l'aider. Alors, on va remettre le bouquet. Alors, c'est Noël. C'est Fanny. Fanny qui va avoir la chance, voilà, de remettre le bouquet à Guenel Simon. Allez, on va applaudir très très fort le vainqueur. Guenel déjà habitué à une autre bise peut-être. Non. Bon, voilà, elle est repartie assez rapidement. On va remettre la coupe. Alors là, c'est la présidente qui va remettre la coupe. Jacqueline qu'on va applaudir également. Hein. C'est vrai qu'avec tous ses amis de Kennequin en Scrignac, voilà, elle nous organise dans ce sympathique quartier, voilà, toutes les épreuves. Ça mérite des applaudissements également. Voilà, merci en tout cas Jacqueline et bravo Guenel. Voilà, on va revenir tout à l'heure. Le second, Sébastien Defroot. On va l'applaudir très très fort, car c'est un superbe coureur. Alors Sébastien, c'est vrai, lorsque Guenel est parti, vous avez dû vous poser quand même quelques questions dans le peloton. Il fallait savoir qui allait mener peut-être la chasse. Vous êtes un peu peut-être trop regardé dans ce peloton pour revenir sur Guenel. Ouais, bah moi j'avais mal aux jambes, il y avait eu une attaque avant, alors je n'ai pas pu suivre. Ah, il y a eu finalement cette attaque de Julien Henriot, qui a lancé la course. Alors derrière, c'est vrai, il a fallu ensuite s'organiser pour venir. Il fallait déjà dans un premier temps revenir. Et puis finalement, on retrouve quand même pour une belle deuxième place. Alors Sébastien se sent bien aussi cette saison. Il y a bien sûr des bouquets à Sébastien Lefroux. On l'applaudit très très fort, le coureur des Bic 2000. Retenez bien son nom, car déjà l'an passé, il s'était montré à son avantage à plusieurs reprises. Et Bretagne, Karine Page, qui est la présidente. En tout cas, c'est un club sympathique. Oui, voilà, alors c'est vrai qu'ils vendent des épreuves féminines. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de féminines, mais bon, on fait avec. Voilà, et j'espère que vous avez quand même le mérite d'être là, bien présent.